Bienvenue sur ma chaîne AND Radio Hobby et aujourd'hui je vais te parler, comme tu peux t'en douter, de ma bande 3000 que j'ai fait installer hier. Je vais aussi parler des nouvelles options et améliorations que la bande 3000 a eu. Alors je vais commencer par les améliorations. Les améliorations sont entre autres, je sais pas si tu vois bien, deux ports USB 3.0. Qui est une bonne affaire. Une pile ici qui te garde ton téléphone entre 7 ou 7 heures environ pour le téléphone. Sinon, tu as du Wi-Fi puis tu peux alimenter aussi tes ports Internet RJ45 derrière. Puis le 5 GHz. Mais par défaut, c'est le 2.4 GHz puis le téléphone qui est activé, je crois. Si je dis pas de conneries, soit que le 2.4 est activé ou c'est juste le téléphone. Mais le téléphone, tu peux pas le désactiver. Dans les menus de Bell, tu peux tout activer qu'est-ce que tu veux, le RJ45, le 5 GHz et le 2.4 GHz. Parce qu'en temps normal, il est triple bande ce routeur-là. En fait, cette bande-là. Tu as le 2 x 5 GHz puis tu as une bande 2.4 GHz avec 12 antennes. Je les ai pas encore bien testés, mais ça m'a l'air prometteur assez plus que la bande 2000, qu'elle avait 6 antennes. Puis, elle nécessitait un UPS puis un autre boîte que je me rappelle jamais de son nom. La boîte blanche qui était servait à ça, puis l'autre boîte blanche servait pour la batterie du téléphone pour l'UPS. C'est pas si tu vois le petit truc en métal là. Ça, c'est où est-ce que la fibre optique rentre. Ici, on voit le truc vert, c'est où c'est le connecteur de la fibre optique, en fait. Du bout du fil blanc qui est connecté dans le truc en métal. Il est beaucoup plus épais que l'autre, par contre. La bande 2000 faisait ça à peu près. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Remarque qu'il chauffe un peu moins celle-là. Je pense que les fils bleus plaqués. Ah, ouais, c'est des antennes. Tu peux voir des antennes à fil bleu ici. Et aussi, j'oubliais, les deux ports USB, ils peuvent, à ce que j'ai su, charger tes appareils si tu as une panne électrique. C'est-à-dire que tu peux continuer d'utiliser ton Wi-Fi et permettre de charger ton téléphone. Mais c'est à déconseiller si tu prévois d'utiliser ton Wi-Fi sur ton iPad, ta tablette Android ou téléphone Android, etc. Parce que ça va prendre la pile 6000 ampères pour rien, tu vois. Juste baisser ton autonomie pour le téléphone ou pour l'internet. Alors c'est. Mais si t'es vraiment dans la dèche ou dans la merde ou dans la marde, tu peux connecter puis charger ton téléphone ou qu'est-ce que tu veux sur les deux ports USB. Remarque que ça peut servir. Bon, les trois boutons, ici c'est WPS. Regarde, ici c'est Your modem is working correctly. C'est une petite écran vraiment petite. Qui est, ma foi, assez utile. Regarde, il écrit « Tap in your browser to manage your modem. HTTP 2/home. Ouais. 2/home, plutôt. Mais moi, je rentre par le 192, etc. Fait que, ça, je ne le payerai pas. C'est pour que tu aies ton mot de passe ici puis ton mot de passe qui soit envoyé par l'email. On va faire ça ici. Temps restant, c'est 2 minutes qu'il te donne pour le WPS. Puis, les connectiques derrière, tu as 4 ports RJ45. J'en ai 2 de prix. Tu n'as plus de coaxial. C'est-à-dire que si tu pouvais, si tu avais l'idée plutôt de te connecter en coaxial avec, tu ne peux tout simplement plus. Ça, c'est un défaut pour certains peut-être. Mais pour moi, c'est pas si grave que ça parce que j'ai des fils RJ45 en masse. Et de deux, en fait, j'en ai 3 ports RJ45 de prix. C'est juste que. Juste que lui, je le garde. Si j'ai une. Si, mettons, j'ai mon Mac ou des trucs de même, mon laptop PC aussi. Puis je veux travailler sur mon sofa, mon canapé, mon divan, comment t'appelles ça? Je me suis gardé un petit fil noir internet pour pouvoir m'en servir. Alors c'est pas mal juste ça que j'ai à dire.
Ah oui, pour finir, le téléphone rentre direct dedans. Le téléphone que là, qui est mon téléphone, il est juste plus là parce que les piles Panasonic 3 ne tiennent plus leur charge. C'est des NIMH excellentes en passant. Maintenant, tu as le téléphone qui va dans la bande 3000. C'est-à-dire que tu as la télévision qui rentre dedans, l'Internet, puis la télévision. Alors, je pense que j'ai pas mal tout dit. Puis, ah oui, tu as la possibilité d'avoir McAfee Security, Internet Security gratuit avec Bell. C'est pas le meilleur antivirus, mais c'est pas le moins bon. Je dirais qu'il est pas mal, un peu en bas de Kaspersky, Bitdefender, mais il est plus haut que 7, puis Norton Amal, puis tout ça. Je dirais que McAfee serait comme en quatrième, pas en troisième position. Il est pas loin, ils se sont beaucoup améliorés, mais c'est pas parfait encore. Alors, abonne-toi, mets un pouce bleu. Commente ma vidéo. Et dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de ma vidéo. Alors, on se retrouve pour la prochaine fois. Bye, les amis.